minutes pour que je t'explique pour les couvertures. Voilà, donc, quand tu le sors au paddock et qu'il fait 5 à 10 degrés, hein, maxi, hein, voilà, tu lui mets la marron qui est là. Si jamais il fait au-dessus de 10 degrés, comme aujourd'hui, avec un beau soleil, hein, on va lui mettre sa chemise. Voilà. Maryse, Maryse, j'ai vu que Tifozzo avait la couverture bleue au paddock. C'est pas la bonne, hein, c'est celle de boxe. Quand il fait entre 5 et 10 degrés, là il fait 12 degrés, il est au paddock, c'est la marron qu'il faut lui mettre. Hein. Bah oui, hein, tu feras attention la prochaine fois s'il te plaît. Le soir, quand tu rentres au paddock, tu lui mets sa doudoune. Alors sa doudoune de 400 grammes s'il fait entre 5 et 10 degrés, s'il fait au-dessus de 10 degrés, il faut lui mettre la doudoune légère, hein, celle qui fait 200 grammes. Voilà, celle-ci, elle est dans mon casier. Hein. Tu retrouveras... Oh, Maryse, il y a mon capteur qui a sonné sur mon smartphone. Ben, le capteur qui est sous la couverture de Tifozzo, il a trop chaud. T'aurais dû lui changer sa couverture il y a déjà une demi-heure. Hein. Ben, écoute, je te mets toutes les couvertures devant et toi tu les changes pas, ça sert à quoi? Si jamais matin tu le sens un peu raide, faut lui mettre sa chemise Pacon Shack pendant 20 minutes. Ça lui fait du bien, il y a de l'infrarouge, ah là là, il est bien. Voilà, hein, c'est très important. Si jamais il transpire un peu, hein, faut lui mettre sa polaire qui est ici, ok? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, on est voisine de boxe. C'est vrai qu'on se parle pas souvent. Et là, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Vous ne couvrez pas votre cheval? Parce que là, on est quand même au mois de novembre, il fait 10 degrés, il commence à faire frais le matin. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais ce serait mieux de le couvrir. Hein. Oui, oui, mais j'avais remarqué qu'il n'était pas tondu. Hein. Vous allez le tondre, non? Oh, vous n'allez pas le tondre, oulala là là. Vous êtes cavalière de loisirs, peut-être? Non, parce que je dis ça, parce que nous, les cavalières de sport, on tourne au chaud puis on les couvre. Comment ça, les chevaux, ils se réchauffent en mangeant du foin? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, elles? Elles sont fortes ou pas? Non, mais moi, je suis cavalière de sport, je m'y connais en chevaux. Hein. Et ça le saurait s'ils se réchauffaient en mangeant du foin. Hein. Donc, la cavalière de loisirs, pas de camembert. Hein. Et c'est pas parce que vous avez un cheval non tondu qu'il faut vous chercher des excuses pour pas le couvrir. Hein. Non, mais inventer que le cheval, il se réchauffe en mangeant du foin. Waouh, elle va trop loin, la fille, quoi. C'est une suggestion amicale, hein, hein, voilà. Bonne journée. Ouh, le cheval pas tendu. On va demander à changer de boxe, hein. On veut pas être à côté d'un tocard comme ça. Hein. Et enfin, si jamais il y a du vent et de la pluie, mais qu'il fait bon, il faut lui mettre la violette, qui est là, la chemise, ok? C'est une chemise impair. Tu vas t'en sortir, voilà. Je suis pas trop chiante, hein, tout est là, j'ai tout rangé en plus, voilà. Ah. Si jamais tu sais pas, tu m'appelles, hein. Je veux pas le retrouver avec une doudoune bleue à la place d'une doudoune violette, hein. Attention !